fame. It's not about money, it's just about me. All the things I did, all the things I aim, everything you see, it's just to feel free. All the songs you heard on the radio doesn't reflect what I see. They say, look at that girl, look at that boy, look at my money. Salut tout le monde, après le J2, Wina part en live. Pendant une heure, on est avec Daniel Riolo ce soir, journaliste, éditorialiste SFR Sport et RMC Sport. Je suis complet. Et RMC Sport depuis aujourd'hui? Et oui, ça a changé de nom. Aujourd'hui. Exactement, il y a la conférence d'Altice. Vous êtes au courant? Ouais. Tu as la conférence en presse, Abdou? Non, mais j'ai tout suivi. SFR Sport devient RMC Sport à partir de la saison prochaine. Tout à fait. Bravo. Avec les droits de l'Europa League et la Champions League. Bravo. Avec 5 euros en plus. Bon, bref. Ouais, ça, les 5 euros en plus. Tarif qui baisse. Pour 5 euros, tu as toute la Ligue des Champions. Toute l'Europe. Si tu es abonné, mais c'est à partir des cartes. Je peux faire le commercial. Je viens parler d'un bouquet. T'as le droit. Je peux faire le commercial. T'as le droit. Bouquet. Avec le code Daniel, tu as 5 euros de réduction. Parce que, excuse-moi, la Ligue des Champions, tu peux la regarder où? Hein? Tu vas bien être obligé. Donc, et voilà. Vous l'avez entendu, Abdoulaye Sarr, joueur youtubeur FIFA. Le prof. Le prof. Bah, et tout le monde connaît le prof. Alias le prof. Et Sofiane, voilà, qui n'a pas bougé de, non. Qui n'a pas bougé de place. Ouais. Tout le monde connaît le prof, mais qui a eu la chance de l'avoir comme prof? Exactement, c'est justement, vrai. Vous discuter. Connaissez tous les deux. Ouais. Moi, je l'ai eu comme prof en vrai. Et qu'est-ce que ma ça plus donne, grande prof? Je l'ai eu avec lui. Qu'est-ce qui t'a appris, alors, Daniel? C'est vrai que j'en ai eu d'autres, hein, tu sais, oui, bien, tes bien potes. Hein. Clairement, je sais, Psycho, Bruce, Braque. Bruce. J'avais oublié le Suisse. Mais il était pas mal aussi. Pas à lui. Mais c'est lui vraiment avec qui j'ai fait le plus de problèmes. En même temps, il est venu à la maison, à domicile, il m'a fait un enseignement domicile avec croissant, café. J'ai été bien accueilli. J'ai modifié toute mon équipe grâce à lui. Bon, il y a un truc qu'on a jamais, enfin que j'ai jamais réussi à faire. Tu m'avais dit parce que on a fait la compo ensemble, ouais. Et tout. Comme dans la vraie vie, j'ai jamais su jouer avec Pogba. Tu le mets où? Tu le mets en 6, tu le mets en 8, tu le mets en 10? Il a essayé. Il m'a dit parce qu'à un moment j'avais l'oseille, je pouvais me le payer. Ouais. Sur foot. Je me le suis payé parce que mon équipe était la dominante Serie A. Mm-hmm. Et j'ai jamais réussi à jouer. Non, mais il y a des joueurs comme ça, il y a des joueurs comme ça, tu n'y arrives pas. Et c'est pas que psychologique, hein, mais. J'y arrive pas. Non, mais le joueur le sent qu'il est la manette en main avec Daniel. Et il sent, toi, que. Si je fais de la merde, je vais te faire payer. Non, mais là, la manette, il a plus en main, hein, je te dis. C'est compliqué. C'était à 2 ans, cette affaire-là. Ouais. C'était à 2 ans. Eh bien, j'ai été précurseur. Avant Mourinho, j'ai mis Pogba sur le banc. T'as fait jockey à la place. Je l'ai mis sur le banc. Est-ce que c'est bon signe, ça, Daniel? J'avais sais tout pas. Le monde, j'avais tous les meilleurs en Italie. Je devais jouer avec Pjanic, Khedira, milieu. Mais c'est vrai que tu parles souvent de fut. Dans mon équipe fut, franchement. Non, mais dans l'after, c'est incroyable. Ça a été un moment, mais extraordinaire. J'étais, mais à En plus, je jouais avec eux. Enfin, avec eux. Je jouais grâce à eux. Bah, grâce à toi aussi. Parce qu'avec eux, non, je crois qu'on ne s'est pas risqué à faire des matchs, ensemble. Non, mais moi, je m'en souviens vraiment. On a fait un double. Non, mais cette image, elle reste marquée. Un match où est-ce que tu mènes, et je te promets, à la fin, à la dernière minute. Je sais pas ce qui se passe, mais son gardien, il fait une bourde, mais comme pas possible, et il se fait égaliser en fin de match. Mais va comprendre. Donc, grosso modo, le jeu ne voulait pas que tu gagnes. Non, voilà. J'étais pas bon sur toute la durée du match. C'était qui? C'était Areola, le goal? Non. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qui t'a appris? Les belles aventures. Le prof, qu'est-ce qui t'a appris à développer dans ton jeu FIFA? Non, bah déjà beaucoup à bien composer l'équipe, à faire les bons achats, et puis après 2-3 secrets de jeu, ça, ok, très bien. Après, il peut pas jouer à ma place. Hein, je sais pas si t'as entendu, on a dit secret. Donc voilà, ça restera secret parce que Daniel, si tu es là ce soir, non, c'est pour parler. Non, il y avait un truc défensif, tu m'avais appris et tout, mais je l'ai oublié depuis. C'est pas grave. Les codes GTA, là pour... Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ah. Daniel, si tu es là ce soir, c'est pour parler de ce livre, Autopsie du sport français, voilà, aux éditions Hugo Sport, on en fera gagner un. Ils sont tous dédicacés, normalement. Voilà. Même couve à peu près que Rakai Football Club, d'ailleurs. On a gardé les codes couleurs et la police. Voilà, j'ai trouvé que c'était joli de faire ça. C'est simple. Autopsie du sport français aux éditions Hugo Sport. En gros, ça veut dire que s'il y a un autre, ce sera la même chose. Ce sera la même couverture avec le titre qui change et tout. On vous en fera un gagné en fin d'émission, donc voilà, restez avec nous, ils sont tous dédicacés. C'est quoi, c'est des questions, il va falloir qu'ils répondent aux questions? Il y aura une petite question, il y aura un tir au sort parmi le chat, on vous salue tous, il y a tout le monde qui te dit bonjour Daniel. Bonjour à tout le monde. Abdoulaye, je ne pourrais pas dire tous les noms parce qu'il y en a beaucoup trop qui nous regardent sur toutes les plateformes, hein, Molotov, Twitch, Twitter, Periscope. Ah là, il y a du monde. Hein. Facebook, YouTube. Alors on a fait une émission avec Kinshu juste avant, ils avaient rien à foutre les mecs. On était pendant une heure, personne ne nous parlait.
Ah, c'était terrible. Mais salut à tous. Ça arrive. Je devrais en faire même sur MSN, Skyblog, MySpace, etc. On va faire. On ressort les Skyblogs ce soir avec Abdoulaye. Ce qui n'a pas changé, c'est que des fois, quand tu parles, pour moi, c'est chinois. Ah. Skyblog. À l'époque, Daniel, t'as pas eu Skyblog ? Écoute, non, franchement, déjà, quand on se fréquentait, lui et ses potes, des fois, ils parlaient chinois pour moi, je les regardais comme ça. De longs shots. Ouais, tous les trucs là de qui. Enfin bon, voilà, que je ne comprends pas. De geek. Voilà, non, mais je cherchais le mot, parce que même ce mot-là, je ne le maîtrise pas super bien. Mais bon, voilà. Avec vous, on va parler de toute l'actu un peu foot et bien évidemment aborder ton livre, Daniel. Et toi, Abdoulaye, on parlera de toi, FIFA, après, on a toute une heure, encore et demie avec toi, passer ensemble toute la soirée avec toi. Du FIFA, du e-sport, toute la soirée. Daniel, on a une grosse actu, même en période de trêve internationale. Et on sort d'un Olympico plutôt... On ne voit pas bien, c'est pour ça. On ne voit pas bien, ouais, c'est, bah, c'est vrai que je suis petit. Le livre est caché. On sort d'un gros Olympico et Sofiane, on a un gros gagnant sur ce match. Ah oui, c'est vrai. La cote killer de ce match, il y a quelqu'un qui a trouvé le score exact. Ça, le mec qui a trouvé... sur votre écran. Il a trouvé un 3-2 de Lyon. Bien sûr. Et oui, regarde. Ah, mais il a 3-2, il a mis 20 euros, une cote à 34, il repart avec presque 700 euros. 680 euros de gain. Alors, d'une, allez, on l'a identifié, le gars ? Mais justement, oui, je vais te donner son pseudo, tu vas comprendre tout de suite. Score exact 3-2, trouver ce score exact, c'est exceptionnel. Ouais. En plus, tu chattes un peu parce que Depay marque à la 90e. Exactement. Quand même. Et puis, allez, imaginer une victoire de Lyon avant le match contre l'OM. L'OM qui était beaucoup plus en forme, Lyon qui était au fond du trou. C'était vraiment bien joué. Et notre ami s'appelle Pilou 69003, donc c'est un Lyonnais. Eh oui. Et il vient de mon arrondissement, donc je vais aller enquêter. C'est vrai ? Ouais, bien sûr. Donc c'est passé, et bravo à lui. Hein. 680 euros sur cette sortie. Sortir le 3-2. Est-ce qu'on sait si c'est en live ou en avant-match ? Non, c'est en avant-match. C'est en avant-match, ouais. En plus. Wow. Donc, moi, je connais un mec de chez Wina qui a mis 1200 sur le match nul. Je pense qu'il était un peu vénère. Oh, la vache. Là, j'avoue que de pas. Ouais, tu retournes plus au Pays-Bas. En même temps, c'est un joueur de poker. Il est habitué aux sensations un peu folles. Il pourra aller là, ça fait chier quand même. Il pourra aller insulter Stéphanie parce que juste avant le but de Depay, il dit on se dirige vers un nouveau match nul pour l'OM dans les 10 secondes après. Non, mais lui, il adore le but. Daniel, pour être raccord avec ton livre, on va parler un peu de Marseille. Donc l'OM, c'est le dernier club français en lice pour une Coupe d'Europe. Et c'est un club qui est en reconstruction. Est-ce que tu trouves ça entre guillemets normal? Est-ce que ça donne une bonne image du foot français? Est-ce que ça t'embête que ce soit Marseille et Paris, par exemple? Non. De toute façon, l'important, c'est déjà qu'on en ait un en quart. Ce qui est plutôt dommage, c'est qu'il n'y en ait qu'un, justement. Alors que Lyon devait y être aussi. Lyon a eu le tirage et a eu un résultat au match aller qui doit lui permettre d'être en quart, qu'on doit avoir deux équipes en quart, qu'on commençait déjà à ce moment-là à essayer de trouver la dernière fois qu'on avait eu deux clubs français en quart de finale, qu'il fallait remonter à 2009, c'était le PSG et l'OM à l'époque. Donc là, il y avait vraiment une belle opportunité de remettre deux clubs à haut niveau. On l'avait vu l'année dernière avec Monaco et Lyon. Mais tu vois, à chaque fois, c'est des souvenirs qui sont assez précis. C'est bien la preuve que ça n'arrive pas souvent. Après, le PSG, au-delà de tous les problèmes structurels qu'a ce club et qui l'empêche pour l'instant de progresser, si on élimine ça, si on prend juste la performance brute, perdre contre le Real, c'est pas infamant. Tu peux perdre si t'as un peu plus de cul au tirage et qu'ils prennent une autre équipe. Effectivement, ils peuvent également se retrouver en quart. Et là encore, on en aurait eu deux. Mais toujours est-il que tout ça, ce sont des si et des mais et des pourquoi pas, mais qu'au final, tu n'en as qu'un. Que ce soit l'OM, alors que le club est en reconstruction, tant mieux pour eux. Ça veut dire qu'ils accélèrent dans leur reconstruction. Après, ça veut pas dire oui, on est toujours très exigeant avec l'OM. Je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'ils font cette année. Mais c'est un peu ça, de toute façon, le problème qu'on a. C'est qu'un club phare comme Marseille, dans notre football, t'as l'impression que depuis 10 ans, il a été en reconstruction 8 fois sur 10. Quoi. C'est le problème. C'est ça le souci. C'est ça le souci. C'est que moi, je trouve, eu égard à où ils étaient il y a 18 mois, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Alors, mais une fois que tu te satisfais de ça... et que tu sors les cotillons pour faire la fête et dire « Ah, génial, on est en quart ». Ouais, mais très bien. Mais le problème, c'est qu'un club comme l'OM aurait dû, sur les 10 dernières années, être en quart la moitié du temps, au minimum. Alors, prenons ça déjà, puisque c'est bien pour notre football. Mais
c'est un vrai problème, c'est reconstruction. Le PSG, ça ne marche pas cette année, ils vont encore repartir. On vire l'entraîneur. Est-ce que le directeur sportif aussi, il va falloir qu'il change? Chaque fois, on repart sur des nouvelles idées. En fait, on n'arrive pas à travailler dans la continuité, nulle part, quoi. Ça, c'est un souci. Il y a une continuité à Lyon, sauf que c'est le paradoxe, parce qu'on veut de la continuité. Alors, pour le coup, à Lyon, il y en a, sauf que c'est une mauvaise continuité. Eux, pour le coup, il faudra qu'ils changent deux, trois trucs quand même. Voilà, mais notre football progresse pas des masses. Malgré si Jean-Michel nous écoute. Notre football progresse pas beaucoup. Alors, c'est vrai, dans le livre, il y a différents chapitres. Il y a 9 sports. Le chapitre foot est évidemment un chapitre important, que j'ai fait en dernier, d'ailleurs. Parce que forcément, tellement j'en parle quotidiennement, je vais le laisser à la fin, parce que le foot, je pense que ça va me causer pas trop de problèmes d'en parler. Donc, hop, et à la fin, bah oui, quand je me suis mis dessus, j'ai évidemment rien découvert, mais on n'est pas brillant, ouais. Notre football de club, il n'est pas fantastique, loin de là, quoi. Abdoulaye, ça te... Oui, clairement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il n'y a que Marseille, qui est une équipe qui est née, quoi. Comme l'a dit Daniel, il y a 18 mois, un an et demi à peine. Et voilà, c'est les seuls en Coupe d'Europe. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, en fait, moi, je suis assez d'accord avec Daniel, mais le truc, c'est qu'encore une fois, on peut soumettre 30 000 hypothèses, on peut en parler pendant des jours et des jours et revenir remoulonner. Voilà, le problème, ça reste toujours un problème de structuration. C'est vrai que quand un club qui se redéveloppe 150 000 fois, qui est en début, en fin de cycle, sur des phases à bis repetita, c'est toujours compliqué. C'est ce dont j'espère qu'il ne va pas arriver à Lille. Et c'est ce qui arrive. Malheureusement, c'est arrive actuellement. Par contre, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'on a, entre guillemets, de la chance qui est la majorité des clubs russes qui se soient fait éliminer en Europa League. Malheureusement, Moscou, c'est une mauvaise nouvelle quand même. Non mais Moscou, pour le coup, c'est le seul. Heureusement que le Shakhtar Donetsk n'est pas passé en Ligue des Champions. En plus, on serait fait rattraper par eux. Voilà. Heureusement que les autres clubs ont perdu derrière, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Mais non, pour le coup, je suis assez d'accord. Et non, pour le coup, que Marseille soit le dernier club en lice en Europa League, non, bah très bien. Maintenant, à eux de tenter d'aller au bout. Mais par contre, moi, le premier conseil... Ça va être quand même compliqué. Ça va être très compliqué. Non, mais il y a très peu de chances. Mais ça ne devrait pas l'être. On devrait avancer dans ce match en disant... On regardera les codes largement jouable. Évidemment que c'est jouable, mais... Tu as raison. Voilà, tu sens déjà que ça va être compliqué, que peut-être la limite, elle est là, contre un bon club de Bundesliga. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus vraiment à être bon contre les gros clubs des gros championnats. On a beaucoup de mal à passer. Si l'OM sort Leipzig, c'est une sacrée performance. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Moi aussi, Beaucoup de mal à y croire. Ça va être compliqué, parce que vu le match de ce week-end, en plus du... On peut afficher ça serait une super performance, mais à côté de ça, voilà, on n'a qu'un seul club en quart. Et puis, au-delà de la performance ce week-end, Leipzig, ça fait 2 ans qu'on les voit vraiment au top. Hein, pour le coup, c'est une équipe qui est créée en 2009. Club, hein. Donc, c'est une équipe jeune. Oui, en Europe, très jeune. Voilà. Mais tu regardes la charnière centrale qui a été alignée contre Bayern de Munich. Enfin, c'est des mecs qui ont même pas 25 ans, quoi. Nous, à chaque fois, on chiale tout le temps. On a une équipe jeune, c'est des équipes jeunes, il faut qu'ils apprennent. Ouais, bah, j'ai l'impression qu'ailleurs, ils apprennent plus vite. Donc il faudrait qu'on apprenne plus vite. Il faudrait qu'il y ait un prof, tu vois, comme Abdou dans les clubs. Est-ce qu'on peut afficher les codes? Parce que je les ai, les codes de Leipzig-Marseille. Ça va arriver. On sait dans... Elles sont à combien? Ouais, je vais les donner. C'est une cote à 1,85 pour Leipzig, le nul à 3,50 et Marseille à 4. Ça, c'est quoi? C'est sur le match aller? Match aller, mais je vais donner les codes de la qualif. Code de la qualif. Ah ouais, j'aime bien ça. Leipzig, je donne les codes de la qualif, ce sera beaucoup plus parlant. Leipzig à 1,70, Marseille à 2. C'est assez équilibré. Elles ont changé. C'était 1,80-1,90 avant le match de Lyon. Exactement. Retour à Marseille. Ouais, hein. C'est assez serré. Un petit avantage à Leipzig. C'est ce que je vois aussi. Ça fait quoi, ça? Moi qui suis nul et qui ne sais pas compter, si on fait sur en pourcentage, ça fait un 70-30 ou non? Je vous ai tous donné. Là, c'est des maths. C'était vrai que... Il faut que tu fasses 1,70. Moi, j'ai pas écouté. Donc, en pourcentage, je m'en vais. 60-40 un peu plus. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me suis lancé dans un truc, je vous avoue, je suis incapable. Mais je sais pas compter. Passe au sujet suivant. La question. Ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. 65-35. Voilà. Exactement. Merci Abdoulaye. Voilà, et quelle image ça renvoie tout ça là, cette année du foot français? Marseille en quart, Paris éliminé, Lyon éliminé par un club 60-40. C'est bien. Dommage. Non mais quelle image on renvoie pour revenir un peu à ton livre? C'est terrible parce qu'on a l'impression que
on a de l'argent, on avance un peu plus, mais on fait un pas en avant et deux pas en arrière. Et l'image qu'on a toujours renvoyée, on est un pays qui parfois se voit un petit peu trop beau dans les prétentions qu'il peut avoir. Moi, il y a encore deux semaines, j'entendais, ouais, un club français va gagner l'Europa League. Et puis, comme ça se joue à Lyon, on a l'impression que Lyon, ils étaient déjà quasi qualifiés pour la finale. Ah, tu comprends, ça joue chez nous. Parce qu'évidemment, si tu regardes toute l'histoire des Coupes d'Europe, chaque année, le club qui a la finale chez lui, il est en finale. C'était pas au courant de ça, contrôlez, vous allez voir, ça arrive tout le temps. Mais en fait, ça arrive jamais. Mais nous, chez nous, non mais, ça arrive jamais. Mais nous, cette recherche du signe, c'est peut-être ça le. Mais je comprends pas pourquoi tout le monde a dit, si c'est à Lyon, bah. Non, mais c'est justement peut-être parce qu'on a aucune autre certitude et qu'on se raccroche à des petites choses de ce type. Peut-être. En tout cas, on est grosso modo dans ce qu'on fait tous les ans cette année. Un club en quart, voilà. La déception, c'est que notre locomotive, le club qui a l'oseille, c'est le PSG. Le club qui a l'oseille pour être compétitif en Ligue des Champions, c'est le PSG. Et il n'avance pas, il est là, il est calé. Le classement et l'UEFA, ça veut quand même dire quelque chose. Lyon pourrait être. Moi, je pense que Lyon pourrait être compétitif. Lyon a beaucoup de retard. Mais bon, on va en parler après. Le PSG, ils sont là, ils sont calés, 6e, 7e. 6e, 7e, mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en 8e, en quart. Voilà, pour le coup, ça fait deux fois 8e de suite, donc ils vont peut-être reculer 7 ou 8e. Ok, mais à un moment, il faut bouger de cette position. Alors, ok, tu prends le Real, tu prends le Barça l'année dernière, mais le Barça l'année dernière, tu dois le sortir. Bon, surtout, je trouve que tu fais un truc un peu fou, tu ne le sors pas. Donc, en gros, tu n'avances pas, parce que même quand tu as tout en main pour avancer, eh ben, tu butes. Et tu butes souvent sur des problèmes d'attitude et des trucs un peu hors terrain, qui ne sont pas réellement sur la valeur, sur ce que tu investis, sur la valeur de tes joueurs, qui est plus dans le professionnalisme, la mentalité globale. Et là, je trouve que c'est pénible que sur ce genre de choses-là, on bloque. Ça, on a bloqué là-dessus quoi, pour Lyon. Lyon, Moscou, c'est pas plus fort que Lyon. Et je pense qu'il n'y a pas non plus l'écart qu'on a vu entre le Real et le PSG. Les mecs sont tétanisés. Les mecs, hop, tétanisés. On a vu sur le match aller que Paris est quand même capable de rivaliser. Pourquoi ils craquent dans les 10 dernières minutes? C'est des réflexes de mentalité, d'attitude, de compétition. Après, tu as des dirigeants qui ne sont pas français, mais après, tu as des dirigeants qui sont amateurs. Voilà, c'est ce que je ne comprends pas, c'est que tu as raison de le dire. Le club, structurellement, il n'est presque pas français. Alors après, est-ce que tu es avalé par ton environnement au point que... Alors oui, ton environnement fait que tu n'es pas dans un championnat compétitif. Oui, tu n'es pas poussé par un contexte de haute performance. Moi, je trouve ça dingue que Matuidi, il y a la Juve et en deux semaines, il dit « Ah, putain, ici, on travaille. » Ouais, mais... travaille beaucoup plus. Là, franchement… C'est incroyable, ça. Moi, franchement, quand c'est dans un autre club français, c'est pas le OK, ouais. Je peux le comprendre. Mais là, tu viens du PSG, où tu as eu des entraîneurs étrangers, des mecs qui, soi-disant, ne pensent pas comme nous. Quoi. Ah. Et tu entends encore ça. Tu dis « Bah attends, on ne va jamais s'en sortir. » Quand il a dit ça… J'avais l'équipe Mac, je l'ai acheté, je dis, c'est bon, c'est mort, on n'a pas cette culture en France, cette culture de l'effort, cette culture club, cette culture. C'est compliqué. C'est quoi les solutions pour retrouver tout ça et que des joueurs comme Matuidi ne disent plus ça et qu'en France, on bosse, quoi. On a envie de bosser. Dans la plupart des clubs, c'est souvent un problème de compétences. Après, c'est un petit peu du cas par cas, quand même. Au PSG, bon, on le voit, on le répète sans arrêt. Et effectivement, tu as quand même l'impression que ça manque de compétences à la direction. On a le sentiment que tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas, tout le monde parle. C'est une passoire, ce club. Il se passe un truc, tout le monde est au courant. Il y a des fuites dans tous les sens. Tu n'as pas de fil conducteur, d'unité derrière le club. Le club se fait défoncer de partout et t'as personne qui est là pour le défendre. Comment veux-tu qu'au bout d'un moment, ça n'agisse pas sur le mental des joueurs? Le PSG se fait, mais c'est la serpillière du football français. Aulas, il chie sur le club en permanence. Tout le monde, partout. Mais entre nous, Lyon... à la limite, nous, c'est, si on veut le critiquer, nous, c'est notre métier. Après, le match contre Lyon, t'es pas obligé de le défendre. Mais il y a un mec au club qui va sortir, qui va dire, qui va essayer de, la communication institutionnelle, ça veut dire quelque chose. Ils sont nullissimes.
de ce côté-là. Olas le faisait, il le fait moins bien maintenant. Il le faisait correctement dans les bonnes années, il le fait moins bien. Ah, mais lui, il n'est pas suivi par les résultats. Donc, non, mais entre Marseille, Lyon et Paris, si tu prends en gros les trois gros clubs en termes de supporters, de palmarès. C'est les trois clubs qui doivent tirer notre foot. Hein. Certes, mais ouais. Dans les Monaco, trois, ce qu'il est. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Monaco est. Non, moi, pas ce rôle-là. C'est pas eux de. Non, Monaco, c'est le club. Tous les 10 ans, ils vont faire leur aventure, on sera contents. Monaco, ils sont là pour. Ils achètent des joueurs, ils les revendent très cher, on est très contents. Regarde, ils sont deuxièmes du championnat. Je sais pas moi, le dimanche soir, t'as oublié que t'as vu Monaco le week-end. Je veux le dire, mais c'est sans offense. Ouais. Moi, le club est très bon, Jardim est super entraîneur, il y a plein de super joueurs, mais malheureusement, c'est comme ça, ça changera jamais. Moi, je suis désolé pour les supporters de Monaco, mais on n'y peut rien, quoi. Et pour revenir à Marseille, ils font partie donc, du coup de ces clubs rachetés il n'y a pas si longtemps. Il y a aussi, tu parles dans ton livre du projet du LOSC Unlimited. Quelle mention tu mettrais un peu pour tous les clubs qui ont été rachetés, même Abdoulaye, hein, tu peux t'amuser à mettre des mentions. Le LOSC. Lille, tu mets quoi comme mention? Tu mets médiocre. Après, ça partait d'un bon sentiment, Lille. Moi, le LOSC, j'y ai cru. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup. On n'est pas censé savoir que le mec il a pas un rond, quoi. Mais on savait ce qu'il avait fait avant. En même temps, le problème c'est que c'est ça, c'est que comment il a pu venir à la tête d'un club. Le foot, il y a beaucoup de passion. Ça pose problème. C'est qu'au bout d'un moment, tu crois toujours que les choses sont possibles. C'est très dur d'être posé, calme, lucide. T'as beau savoir, t'as les mecs de la Formule 1 qui te disaient plein de trucs. Ouais, mais dans la structure de son club, gens, mine de rien, il fait les choses. Il fait les choses correctement quand même. Comme dans il la arrive, structure et qu'il de prend son Campos, ah oui. Qui prend machin, il prend Bielsa, tu dis, ça peut marcher. Alors que je me souviens avoir dit, là, ceux qui disent, ouais, Raiola, parfois, tu dis tout au son contraire. Mais vous avez raison. Mais je te jure, mais parfois, mais attends, mais je me souviens, j'ai dit, Campos, Bielsa, ça peut pas marcher. Franchement, je serais. Tu sais, quand on entendait que l'un et l'autre devaient venir, je dis, je serais vachement étonné que l'un et l'autre viennent, ça ne peut pas marcher, ils n'ont pas la même vision de comment peut fonctionner un club et tout. Je l'ai dit, ça. Ils sont venus tous les deux, j'ai dit, ouais, mais on peut peut-être y croire. Parce que tu te dis toujours que, bon, bah, ils vont se mettre autour d'une table et puis ils vont peut-être réussir à s'entendre. Hein. Tu es toujours dans. Le foot te porte toujours à croire que, ça peut fonctionner. Et en fait, non, il faut être très lucide, calme. Tu dis, mais non, mais ça ne pouvait pas coller. Mmh. Ça ne pouvait pas marcher. Ils ne voient pas le truc de la même façon. Après, moi, si je peux me permettre, dans toute objectivité, sans vouloir te défendre d'autres, je sais que c'est aussi ce qui fait la beauté du football. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand certains animateurs ou certaines personnes annoncent des choses et qu'il se passe tout son contraire, bah, c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je vois personne qui a toujours la belle parole à tous les moments. C'est impossible. Non, mais le problème, c'est que quand on a donné, un mec c'est... comme... Oh, nous, on a non, mais on tourne un 80-20. Ouais, non, mais... On a 1% tout à l'heure, c'est pour les calculs. C'est comme les codes. Ouais, alors, OK, mais... Daniel, il pourrait faire ouais, mais au, voilà. Final, les gens regardent. Les gens continuent de regarder. Et après, il y a toujours la surprise, le truc... C'est comme ça. La saison qui se goupille d'une façon ou d'une autre... Évidemment. Tu vois, objectivement, voilà, on voyait peu de chances pour la plupart au PSG de passer face au Real. Mais le nombre de personnes sur Twitter qui étaient là, entre guillemets, à gonfler Paris, à sortir... Paris va sortir le Real. Voilà. À un moment, j'ai même entendu, donc, je me battais à la radio, je dis, ouais, PSG favori. J'ai dit, mais attendez, mais favori de quoi, putain? De quoi tu es favori contre le Real? Mais t'as vu les mecs qu'ils ont? J'entendais qu'ils étaient favoris. Coup, après, ce que tu n'attends pas, c'est que le match retour, les mecs, ils se transforment en piquet. Ça, tu attends pas, tu te dis, bon, les mecs, ils vont quand même se défoncer. Moi, je croyais pas l'exploit possible, mais je dis, au moins, ils vont se défoncer. Tu vas avoir des regrets, ça peut peut-être faire 2-1 et t'as manqué de peu de faire 3-1. Mmh. Tu peux faire 1-0 et t'as raté une balle de 2-0 à la fin. Le Real peut marquer aussi, mais que ça se transforme en match comme ça, absolument minable, ça, effectivement, ça, je crois pas une seconde que ça peut donner ça. Et pour revenir à Lille, comment un mec comme Gérard Lopez peut passer entre les mailles du filet que les institutions du sport français, du foot, ne puisse pas vérifier ses. Comment son tu vas vérifier budget, c'est pas, c'est quand même terrible. C'est pas un pays communiste non plus où tu vas contrôler toutes les finances. Le mec, il arrive. Revenir quand même. Non, mais le mec, il arrive, il achète le club assez doux. J'imagine qu'il a dû fournir des garanties à un moment où il a dû dire les garanties vont arriver. Le mec, il a vendu. Le politique contrôle pas, c'est encore heureux. Ça veut dire qu'on va revenir au moment où le politique contrôlait tout ce qui se passait dans l'économie. Ce qui est malheureux, c'est pour les supporters parce que s'il coule le club, les mecs, ils n'ont rien demandé. En un an, ils se retrouvent en Ligue 2. Bah, ils y sont virtuellement déjà. Oui, ils sont pas administrativement, loin. Ils y sont déjà. Et en plus, tu as raison. Voilà. Administrativement, ils y sont. Vite fait, on voulait parler un peu de Lyon aussi. On parlait de l'Olympico, on parlait de Lyon. Juste parler de l'homme, le grand Manitou de l'OL, Jean-Michel Aulas. Daniel, on sait que tu l'aimes bien.
Est-ce que... Record comptable, je l'ai appelé. Est-ce que ça a été une bonne chose pour le foot français? On est d'accord, Rolas, quand il est arrivé, ce qu'il a pu faire, est-ce que ça a été une bonne chose? Est-ce que ça l'est toujours? C'était une bonne chose pour l'OL. Oui, mais voilà, justement, ça m'intéresse de dire ça. Est-ce que ça a été une bonne chose, Jean-Michel Aulas, dans le foot français? Et aujourd'hui? Les mecs qui prennent les clubs, ils sont pas là pour faire le bien de tout le monde. C'est indirect. Il aimerait bien. Si t'as trois bons présidents, trois bonnes gestions de clubs à un moment, que les mecs se tirent la bourre, oui, évidemment que ça va tirer tous les autres. C'est comme le PSG, t'attends que l'arrivée des stars, tout ça, ça tire les autres. Le problème, c'est que cette année, les mecs, ils vont encore tous terminer à 20 points. Ça, je trouve que c'est complètement anormal. Terrible. C'est anormal après qu'on termine à 20 points. T'es d'accord pour dire ? Termine à 6 points parce qu'il perd deux matchs contre le PSG, je veux bien. Et là, en l'occurrence, en plus... Non, mais sur ça, on est d'accord. Ils ont perdu qu'un contre le PSG, ils les ont battus même une fois. Ils devraient être à 5 points, à 3 points, j'en sais rien, ils devraient être derrière nous, ils ne peuvent pas être à 20 points. Ça doit être le deuxième club là, derrière le PSG, c'est Lyon, à eux de... Oui. Bah, Lyon, avec l'avance qu'ils ont, ils ont quand même plus de 200 millions de budget, évidemment, qui devraient être derrière le PSG. Après, Marseille, Calais est en route pour redevenir ultra compétitif. Là, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, Aulas, il fatigue. Quoi. Je pense qu'en ce moment, il cause plus de soucis à son club que de... Disons que pendant... l'essentiel de sa vie à la tête du club, ça a été positif. Là, je pense que depuis 2010, perso, alors évidemment, il y a la construction du stade, et ça, franchement, c'est exceptionnel. Mais justement, sur ça, même sur si la façon un peu de monter grand, le stade, mais bon. Juste sur la façon de monter son projet dans les grandes années, les autres clubs, en tout cas, les autres grands clubs auraient pu embrayer sur la façon de construire son business model. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, ça, c'est extraordinaire, il n'y a rien à dire. Il a le stade à lui, ça tourne. Franchement, c'est non, mais si on avait... il faut qu'il embraye avec la politique sportive. Bah là, justement, il faut qu'il embraye. En plus du stade, il a la formation. Le bon entraîneur. T'en parles dans ton livre aussi de la formation. Ouais, là aussi, c'est quand même... Ouais, mais il faut arrêter avec ça, putain, la formation qui va uniquement te faire vivre et tout. Non, mais tu l'as précisé dans le livre que c'était un moment... Ça permet à certains autres clubs de gonfler, de s'en inspirer, de faire Non, mais de passer chose, les mauvais moments, parce que Lyon, à un moment, est en construction constante. Voilà, donc la formation a bien soutenu ça. Mais ça ne doit pas non plus être la base de ton équipe, bien ça ne doit pas être la base de ton projet. Mais par contre, pour passer les moments un peu plus compliqués, avoir des mecs... Le Real, ils ont combien de mecs formés au club, là, dans l'équipe? Qui ça? Le Real. Le Real, de 3, peu. 4, ouais, après, c'est un club, ça reste un des... En France, c'est compliqué. Le Real, c'est un club formateur. Hein. En Liga, ouais, il me semble que c'est le club qui file le plus de joueurs. Le Barça, évidemment. Lyon le fait, mais Paris évidemment le que tu ne dois pas le négliger, mais tu ne dois pas uniquement dire on va jouer avec non, bien sûr. Ça peut aider. À côté de ça, ils ont mis 17 millions sur Memphis, qui est un intérêt. Non, mais quand tu regardes la forme de l'équipe aujourd'hui, elle est loin d'être qu'une équipe de joueurs formés. Il y a eu quand même un virage cet été vers une reconstruction de l'équipe. Avec quand même des investissements consentis. Ben là, mais j'attends, pas que... Non, mais attends, j'attends. Là, ça peut ressembler quand même à une saison, oui. À un échec. Oui. Après, il est dans un championnat où, effectivement, si Paris et Monaco monopolisent deux places, déjà, il est un peu emmerdé. Ça veut dire qu'il n'en reste plus qu'une pour la Ligue des Champions. Ben, c'est lui qui l'a un peu voulu. C'est lui qui l'a vendu un peu, la troisième place aussi. Qualificatif, ouais. pour la Ligue des Champions. Donc ça, c'est vrai que ça lui cause un souci, mais voilà, il faut qu'il se cale derrière. S'il va en Europa League, va en Europa League et te plante pas contre Moscou quand t'as gagné 1-0 au match aller. Ça aussi, des fois, il se plaint de l'argent. Je dis, ouais, si tu te plains de l'argent en terminant derrière le PSG, ok, pas de problème, t'as raison. Ils ont beaucoup plus de dés que toi. Mais si tu te plains du blé et que tu te fais sortir par Moscou, qu'en championnat, tu concèdes des points contre des équipes qui ont 10 fois moins que toi, là, je dis, il y a un problème. Qu'en coupe, tu te fais sortir par Caen et Montpellier. Là, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas... La subvention de Caen, Normandie, elle est haute aussi. Ça veut dire que tu n'as pas choisi le bon coach. Ça veut dire que tu n'arrives pas à créer un bon collectif. Et ça veut dire que les joueurs ne sont pas à la hauteur de ce que tu as investi sur eux. Voilà. Autre actu, ouais. Tu veux une dernière question? Non, je voulais juste demander à Daniel et Abdou si on n'a pas déjà raté... le virage de la compétitivité pour nos clubs en Ligue des Champions, parce que vu que ça commence à se ressembler à une ligue de plus en plus fermée, vu que le fair play financier il est en train de figer les places, est-ce que c'est déjà pas cuit pour nos clubs? C'est ça la question, parce que moi je me demande comment Lyon, même l'année prochaine, imaginons qu'ils aient en Ligue des Champions, Marseille en Ligue des Champions, je les vois pas sortir d'un groupe de Ligue des Champions. Donc est-ce que c'est pas déjà trop tard, là, l'arrivée des investisseurs, le changement? Ouais, si, c'est une compliqué. Question que je me pose sur les dernières semaines. Quand tu vois un peu comment ça évolue, tu te dis que la victoire, elle est réservée à ceux qui ont un ticket à 400 millions au niveau du budget. Que pour être en phase de poule, bon,
Paris-Monaco te bloque assurément une place. Mm. Bon, Monaco, on a pu penser à un moment cette année que ça allait mal se passer. Finalement, ils ont redressé la barre. Donc déjà, il faut que tu y ailles. Quand tu y es, normalement, Lyon, ils ont le budget pour, si tu n'as pas un tirage catastrophique, sortir de la poule. Oh oui. Donc sortir de la poule, après, c'est être en huitième. En huitième, normalement, là, ça commence à devenir tendu. À part si t'as un méga tirage, genre si t'es la Roma, ouais, ouais, et que tu arrives en quart. Donc en fait, on a l'impression que les choses... Et ça, c'est pas un reproche pour Lyon. C'est pas du tout un reproche. Ça, c'est le constat de ce qu'est le paysage aujourd'hui du football. T'as l'impression qu'ils ont, en max, un quart de finale dans les jambes de Ligue des Champions. Sachant que ça peut être compliqué. Garde le PSG, ils prennent Barça et Real. Si tu prends la même chose, c'est compliqué. Si tu prends un groupe de la mort en poule, ça peut être compliqué. Lyon, deux fois, ils n'ont pas un groupe compliqué, ils ne sont pas sortis des poules. Ouais, ouais. Ils ont le budget pourtant pour te faire une belle aventure. Huitième, tirage un peu plus tard, car mais ils en sont très très loin. Lyon, ils ont reculé dans la hiérarchie quand tu prends le classement UEFA. Et même en Europa League, ils n'ont pas réussi. Donc, ouais, il y a des inquiétudes sur de quelle façon nos clubs peuvent se transformer. Lyon, tu as l'impression, déjà, faudrait qu'ils doublent leur budget, donc c'est pas prévu, puis ils n'ont pas l'oseille pour. Marseille, pareil, ils vont en Ligue des Champions. Là, avec cette équipe, Avec cette équipe, soit tu changes tout ton effectif, mais tu n'auras pas l'argent, soit tu y vas comme ça. Même si tu as la détermination, le bon truc et tout. Ou alors tu vends tes meilleurs joueurs pour essayer de recruter un peu. Mais franchement, à part si t'as un groupe, mais en plus non, ils vont arriver, ils seront chapeau 4. C'est fort probable. Fort probable. Tu vas pas sortir des poules. Tu y vas, tu vas prendre l'oseille parce que t'as participé aux poules. C'est bien, économiquement, tu grossis un peu ton panier. Tu reviens l'année d'après. Il faut qu'en championnat, tu te sois pas raté. Pour être dans les trois, pour revenir. Parce que ce qui compte, c'est revenir. Parce que quand tu reviens, tu reprends un peu d'oseille. C'est-à-dire, parfois, c'est vertigineux, cette histoire-là. Et tu te demandes, alors que moi, philosophiquement, je suis contre l'idée de la Super League fermée. Mais presque si tu avais le ticket pour, tout le temps, bah, tu étais assuré d'y être, peut-être que tu pourrais investir. Voilà. Donc, en gros, si tu avais les tickets, tu te dis qu'en France, ils inviteraient trois clubs, ou quatre clubs, tu vois, j'en sais rien, moi, comment tu la ferais, cette ligue fermée. Et moi, t'y serais. Je crois que le football français aurait presque intérêt, à condition qu'il nous donne trois places, hein, parce que s'il ne nous les donne pas, après, t'es mort, quoi. À ce que ça existe, finalement. Parce que sinon, j'ai du mal à voir c'est comment Lyon et Marseille, ils peuvent... En tout cas, le PSG, il y aurait intérêt à 1000%. Oui, bah oui, parce que vu le championnat dans lequel ils sont, ils ne jouent que 3-4 matchs, 5 matchs dans l'année, ce qui fait qu'ils vont perdre. Là, c'est terrible le tableau que je suis en train de dresser. Hein. Ouais. Vous flipper. Allez tous flipper. Hein. Mais flipper. Les supporters du PSG, là, je suis sûr, si tu les interroges, le championnat, c'est déjà fini pour eux. Oui. Il n'y a plus grand-chose qui les intéresse. Il n'y a que la Coupe de la Ligue, hein, terminée. Donc déjà, on est dans qui va être le prochain entraîneur et tout, t'imagines. Ça veut dire que les saisons deviennent ennuyeuses, quoi. Les matchs jusqu'à la Coupe d'Europe, tu les regardes en disant, bon, on va gagner. Alors, qu'est-ce que ça va donner contre un gros en Ligue des Champions? L'intérêt, comme il est réduit, pas de compétitivité dans le championnat. Arrêtez de regarder du foot. Ben non. Allez. On va parler d'autres sports. Et les Anglais sont pas pour, parce qu'eux, ils ont leur championnat, ils sont super contents, donc la Super League, ils veulent pas en entendre parler. C'est autosuffisant, eux. Voilà. Déjà. Messieurs, l'équipe de France, ça joue vendredi, est-ce qu'on a déjà les cotes? Oui, c'est une excellente question. Abdoulaye, Daniel, qu'est-ce que vous avez pensé de... De quoi ? Cette dernière liste de Didier Deschamps. Hop, je les affiche. On va voir ta liste. T'as concocté une petite liste sur le site RMC, Daniel. Ouais, je sais pas si elle peut s'afficher à l'écran. Cédric, tu nous as mis une petite liste. Bon, il y avait quelques petites surprises. Il y avait le Montpellierin Aguilar en défense. Ah oui, le Bolivien. On la voit à l'écran. On voit Aguilar. Le Bolivien Aguilar. Tu as mis, Nabil Fekir. Ouais. Voilà. Il y a quand même du... Pourquoi Aguilar ? Parce qu'il n'y a pas d'arrière-bras. C'est simple. Mendy, tu y crois ? Non, mais c'est qui, sinon ? Il y a Sidibé et puis qui ? Bouna ? Non, je regarde. Non, Debuchy, Sidibé. Debuchy, ouais. Je l'accepte. Je t'avoue qu'au moment où j'ai fait la liste, Debuchy m'était sorti de la tête. Ouais, non, mais t'as raison. Donc, OK, peut-être. Ouais. Bah, effectivement, il a fait 4 bons matchs avec Saint-Etienne. La Ziara, défenseur droit. Non, il n'y a pas grand monde. Donc, je me suis autorisé une fantaisie. Et devant la Cajette, malgré son temps de jeu... Ouais, c'est vrai. Mais sinon, on mettait qui, sinon ? Pas de Florian Thauvin. On va voir ce que va donner Ben Yedder. Mais attends. Il manque Ben Yedder. Mais non, mais
Le truc, quand tu mets la casette, c'est tu peux pas me dire on peut mettre Thauvin, c'est pas le même poste. Bien sûr, oui, c'est sûr, faut doubler les postes. Donc c'est ça la réflexion. Donc en fait, c'est qui double le 9? Alors le 9, tu peux me répliquer que le 9, il est doublé par Mbappé. Ouais, voilà. Sauf que comme Mbappé, tu aimerais bien l'avoir quand même sur le côté. C'est compliqué. Alors après, évidemment, depuis que Ben Yedder a mis les deux buts contre Manchester United, tu te dis pourquoi pas lui, puisque la casette joue pas. Bon, ok. Bah, donc ça veut dire en fait plutôt qu'on a un problème pour le poste de 9. Déjà, tu as un problème parce que ton titulaire, c'est censé être Giroud, c'est déjà en soi un problème. Déjà. Donc en fait, tu as un problème. Abdoulaye, la liste de Deschamps. Tu le mets dans ton équipe fut, Giroud. Giroud. T'as encore une équipe fut, toi? Ouais, ouais. T'as qui devant? J'ai Griezmann et Neymar. C'est pas mal. Mais Neymar en neuf, toi? Sur fut, ça marche, ouais. Ça? Ouais, ouais. Bah oui. Bah, en fait, je t'ai regardé, c'est ça. Il est trop agile, il a 5 étoiles de geste technique, il va super vite, il est très pressé. Et puis après, tu fais la différence. Non, je la trouve très juste, la liste de Deschamps. Après, bien entendu, tu as souvent des personnes qui ne sont pas super contentes, mais qui ne comprennent pas que tu as des joueurs qui peuvent ne pas être présents parce qu'ils ne sont pas adaptables à la formation qui est utilisée au 4-2-3-1, voire au 4-3-3 par moment. Donc, clairement, moi, je la trouve assez juste. C'est vrai qu'on a parfois des manquements ou des niveaux qui ne sont pas similaires à certains postes, type sur nos latéraux. On a beaucoup de blessés. Sur le latéraux, en fantaisie, j'aurais pu mettre Dubois. Tu peux me dire, voilà, tu vois, c'est compliqué. Mais écoute, relativement d'accord. Pour le coup, je n'ai pas grand-chose à rajouter, honnêtement. bien entendu, défense centrale, tu mets qui? Défense centrale. Umtiti Varane ou pas? Parce que j'ai entendu. Ah oui, Umtiti Varane, on l'a rappelé. Non, mais il y en a qui nous parlent encore de Koscielny. Koscielny, il est un peu cramoise, là. Je suis d'accord, moi, je mets Umtiti Varane. Il est un peu au bout du roule, là, maintenant. Honnêtement, ouais, je mets Umtiti Varane. Umtiti Varane, il faut les mettre. Umtiti, il est incroyable. Umtiti, il est exceptionnel. Se passer d'Umtiti, ça paraît compliqué. On a fait un sondage sur le compte Twitter Winamax Sport. On vous a posé une question, il va s'afficher sur votre écran. Question de merde, mais on adore. Exactement, c'était pour lancer un débat. Est-ce que vous préférez que votre club de cœur remporte la Ligue des Champions, que votre pays remporte la Coupe du Monde, ou alors après, pour la petite blague, on a mis italien, pas de Coupe du Monde. Et puis, moi, ça m'a surpris. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Abdoulaye et Daniel, mais ça m'a surpris que les gens répondent la France championne du monde. Parce que moi, je réponds à cette question, je réponds à mon club tous les jours. Abdoulaye. Non, mais en fait, alors, c'est simple. Tu parles par rapport au choix, là? Ouais, ouais. T'aurais choisi quoi, toi? Ma nation. Ma nation, sans hésiter. Daniel. Ma nation. T'es pas d'accord avec ça, j'ai l'impression. Non, mais il peut ne pas être d'accord. Club, c'est quoi ton club de cœur, Abdoulaye? Moi, c'est Arsenal. Ah bah, c'est compliqué. J'ai pas le choix, je suis désolé. C'est compliqué. Donc oui, t'as été lucide, t'as répondu la France. Mais je l'assume. C'est probable. J'annonce officiellement ce soir, Abdou, salut. Je parle au passé, je l'adorais. Voilà. Je romps tous les rapports diplomatiques avec Abdou. Je ne savais pas que c'était un footix. Je crois qu'il m'avait dit déjà, il m'avait déjà dit qu'il était pour Arsenal, mais je crois que c'était une blague. Non. Donc en fait, il l'annonce publiquement. C'est un génération. Mais non, mais génération en France. Mais non, génération Canal+. Il a grandi avec les Invincibles. Voilà, les Invincibles. Non, mais j'aime beaucoup Paris. Voilà, j'y habite. Mais pour le coup, voilà, j'aime pas arriver en mode footix. Je suis pour le PSG et pour Arsenal. Ah, donc ça, tu t'es dit, je vais être un big footix. j'assume totalement. Alors, je sais qu'il y a un gros débat sur les gens qui sont en France qui ne peuvent pas. Ne te justifie pas devant Daniel. Je me justifie pas. Mais je ne l'admets pas. Mais depuis que je suis gamin et même aujourd'hui et même plus tard, je resterai. C'est justement gamin que tu auras dû choisir. Et t'es pas. Quelqu'un aurait dû te mettre dans le droit chemin. Ton papa, il était un prof de supporter. Ton papa, il était supporter de qui ou... Mon père? Ouais. Il aimait beaucoup l'OM. Ah, un homme de goût. Pourquoi tu n'as pas eu cette transmission? Un homme de goût. Parce que non. Moi, c'était Arsenal, le départ. J'aurais eu beaucoup plus de respect pour toi. Et donc, pour revenir au sondage... Je regarderai plus transversalement. Donc, pour revenir à un sondage... C'est bon. Pour revenir au sondage, il y a un phénomène un peu plus de société. Pour avoir vécu l'Euro 2016 un peu dans les... Oui, j'étais au stade lors de la finale. Et j'ai trouvé qu'il y avait un engouement vraiment moindre. Je trouve que j'ai pas trouvé vraiment d'engouement. Je sais pas ce que vous en pensez autour de cette équipe de France. Est-ce que vous trouvez que petit à petit, ça. Moi, au contraire. C'est de mieux en mieux. Je trouve qu'au contraire, l'Euro a permis de rassembler, mais surtout d'aimer de plus en plus le groupe français. Je n'ai pas trouvé ça cool. La plupart des gens restent sur l'aspect Naïsna, mais non, mais au contraire, je trouve que ça va, ça monte. Les gens commencent à apprendre un peu les chants, les gens commencent un peu à brandir leur maillot, leur drapeau. Tu sais pourquoi? Attends, excuse-moi juste, Abdou. Je pense que tu as cette image-là. Parce que pour moi, l'Euro, il commence à l'Allemagne. Donc, il commence tard. Ouais, mais même mais je pense pour avoir été sur les champs après la demi-finale, bon, c'était nul, mais j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé ça faux. Est-ce qu'il y a un problème avec le supporterisme de l'équipe de France, de la nation en France? Est-ce que c'est. Mais pourquoi, en fait, qu'est-ce que tu aimerais?
Ben, je sais pas, plus, je sais pas, mais qu'on soit un peu plus derrière l'équipe de France, ça transpire. Ça fait des grosses audiences à la télé, les gens ils sont supporters. Bah, Coupe du Monde, si tu gagnes, il y aura du monde dehors, hein, t'inquiète. Hein. D'accord, mais ce que j'ai trouvé après en parlant un peu. T'as envie d'aller faire la fête dans la rue, toi. Ouais, Abdou, bois une bière avec toi. Ça cause des berres. Et moi j'ai une question par rapport à ça qui fait un lien un peu avec ton livre, parce que t'en parles beaucoup d'ailleurs pour le chapitre tennis et la Coupe Davis. Tu dis qu'en gros c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est plus compliqué de critiquer quand ça gagne. Est-ce qu'avec l'équipe de France, t'aurais été critique si ça avait gagné l'Euro ? Tu vois ? Parce que t'as été critique quand même pendant la compétition sur le jeu, sur... et d'ailleurs pas que toi, il y en a eu beaucoup qui ont été critiques sur le jeu. Mais est-ce que tu penses que la victoire finale, elle aurait rendu impossible la critique ? On a eu en finale deux équipes dont le jeu me passionnait pas trop. Maintenant, sur un tournoi, et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé en 98, sur une compétition, si tu optes pour un jeu et que tu vas au bout, bon, voilà, tu es dans la performance, tu as réalisé la performance, tu as gagné, c'est très bien. Après, l'histoire te classera dans quel genre de champion tu es, tout ça. Une fois que la passion est passée, s'il gagne, bah d'ailleurs, le Portugal a très mal joué pendant cet Euro. Mmh. Et je disais toujours... Quand tu décides d'un plan de jeu pareil et d'être aussi chiant que ça, il faut que tu gagnes. Si tu gagnes, très bien, tu as ton titre. En plus, après, il y a différents paramètres. Le Portugal n'avait jamais rien gagné. Donc, à la limite, peu importe comment il gagne. C'est un tel moment de joie, une telle liesse populaire que tu es obligé de dire, bah, c'est bon, vous avez eu raison, la victoire vous a donné raison. Mmh. En fait, il faut avoir beaucoup gagné pour avoir le luxe de dire, j'aime pas comment tu as gagné. Ouais. Les Brésiliens... ils ont eu en 94 de dire, après la finale gagnée, dire bah, « celle-là, on ne l'aime pas ». Bah ouais, ok, t'en as gagné avant. Et t'es une nation qui a toujours dominé et tout. En 98, en France, est-ce que tu crois que y a des gens qui ont dit « ah, dis donc, on a joué avec trois milieux défensifs, c'était un peu pourri, hein, et puis on a battu que l'Arabie Saoudite et que machin, et... » Bah non. C'était ton premier titre mondial, tu l'attendais, c'était l'IS populaire, la France était dans la rue. Bah ok. Tu peux dire, j'aime pas beaucoup comment tu joues, oui, mais ça, après, c'est des discussions de spécialistes. Et puis, après, ceux qui sont neutres, c'est-à-dire qui ne sont pas français, qui n'ont pas vécu cette émotion forte, j'en sais rien, moi, un observateur espagnol, italien, allemand, il va dire, ah ben, je pense que l'Allemagne championne du monde, c'est plus beau que la France championne du monde, ou le Brésil champion du monde en 70, c'est le plus beau des champions du monde. Mmh. Oui, ça, tu peux le dire quand tu analyses globalement, à froid, sans l'émotion, mais juste en amateur de foot. Mais quand toi, t'es lancé dans une compète, bah, tu vas pour la gagner. Parfois que ce sont des discussions d'experts et que le supporter, lui, bah, il vit dans l'émotion. Et ouais, moi, je préfère les Pays-Bas qui n'ont pas gagné oui, que l'Allemagne 74 mais en France, qui a gagné. Justement, en France, on ne préfère pas perdre beau que de... Mais ça ressort un peu de ton livre, je trouve, à certains moments. Non, c'est parce que pendant un moment... On aime bien se rappeler les échecs, non, en fait. C'était un moment dans le foot, bah oui, mais tu étais bien obligé. Les beaux échecs. Non, mais le problème, c'est que tu n'avais que ça. Donc, il fallait bien te raccrocher à quelque chose. Donc, tu te raccroches, tu dis, bah ouais, en 82, on avait une équipe magnifique. Hier, sur la chaîne L'Équipe, il repassait France-Brésil de 86. Bah ouais, tu peux dire que personne ne va me contredire en disant que cette équipe de France-là, elle joue deux fois mieux que l'équipe de France qui a été championne du monde. Comme tu as les supporters marseillais qui te disent notre équipe en 91, elle est plus belle que celle qui a gagné en 93. Mais ça, tu le dis des années après. Quand tu es sur le moment que tu as gagné, même si tu as super mal joué, tu t'en fous, tu es super content, tu as soulevé la coupe. Tu vois. Moi, ce que j'aime en tant que passionné de foot, c'est les discussions qui traversent les époques, le temps. Cette équipe, je la trouvais géniale. Cette équipe-là, je la trouve pas bien, tout ça. Ouais, ça c'est intéressant quand t'es passionné, expert, t'adores parler de ce genre de choses-là, comparer les époques. Après, sur l'émotion, peu importe comment tu gagnes, quoi. Daniel, on parle un peu de ton livre un peu plus en profondeur. Quand j'ai vu le Autopsie du sport français aux éditions Egoscore, quand j'ai lu le titre du livre, je me suis posé la question, pourquoi faire un bilan du sport français à ce moment-là? Pourquoi pas il y a 5 ans, pas il y a 10 ans? Pourquoi maintenant? Est-ce que tu sentais que c'était le moment de tirer la sonnette d'alarme? Parce que tu ne fais pas que critiquer le sport français dans ce livre, il y a aussi des bonnes choses. Pourquoi le faire à ce moment-là? D'où est venue l'idée d'écrire ce bouquin? C'est vraiment pas par rapport à quelque chose qui s'est passé, c'est juste par rapport à quand j'ai eu l'idée. Quoi. C'est vraiment... l'idée, c'est...
je dois être en vacances sur une plage en Grèce. Chaise longue. Oula, là, c'était moi, pour le coup. C'est souvent là que j'ai des idées, soit de bouquins, soit de trucs pour les émissions, tout ça. Les moments, on se fait chier un peu. Non, mais c'est vrai. Ah non, je ne me fais jamais chier en vacances. J'ai des bonnes idées, c'est pas pareil. Et je ne sais plus, je repensais tennis, vélo. Je crois que, franchement, c'est parti en plus tennis, vélo. C'est parti Noan, Ino. Et je pensais à cette époque, les années 80, les sportifs qu'on avait. Tu sais, c'est l'époque où il y avait les champions qui étaient rentrés au musée Grévin. C'est un peu la pénétration du sport dans la culture populaire en France et tout. Comme c'est un peu ma jeunesse, je repensais à ça. Et je disais, putain, n'empêche, depuis Noah, que dalle. Et depuis Ino, que dalle. Et je dis, mais en fait, pourquoi comment c'est possible qu'en tennis, il n'y ait qu'un seul mec qui ait gagné un grand chelem? Comment c'est possible que depuis Ino, t'es pas, c'est le Tour de France avec plein de coureurs français, t'en es pas un qui a réussi à le gagner? Donc ça commence comme ça. Puis après, je me dis, tiens, ça pourrait être pas mal comme idée. J'irai voir dans tous les sports. Ah oui, non, et puis après, je me dis. Alors à un moment, en natation, les mecs, ils se sont mis à tout gagner. Et c'est ouf. Et puis tu joues au hand, la France, elle gagne tout le temps. Qu'est-ce qui se fait à un moment? C'est quoi le processus? Il y a un entraîneur qui est un gourou, tu as la Fédé qui a travaillé pour arriver à développer un système. Et donc là, après, je me suis mis avec tous les sports dans ma tête. Je me suis dit, tiens, là, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas? Le rugby. Et en fait, après, ça s'est résumé à pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Ça ne pouvait pas faire un titre. Pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas? Sur YouTube, ça marche. Voilà. Donc c'est un peu compliqué pour faire un titre, mais en fait, le fond, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Et après, j'ai sélectionné les sports. Je voulais faire moins les sports populaires. C'est-à-dire ceux qui rassemblent le plus de gens devant la télé, ceux qui parlent le plus aux gens. Donc forcément... Bah, le golf, le curling, ça a été plus compliqué, quoi. Ouais. Bah, moins intéressant, peut-être. En plus, je m'en foutais un peu, je crois. Voilà, on est d'accord. Donc bah, il y avait foot, il y avait tennis, il y avait vélo, et rugby, bah, tous les sports qui intéressent vachement les gens, quoi. Voilà. Justement, voilà, donc ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il est chapitré. Et on peut le dévorer en fait, comme on veut. On peut chaque prendre sport le foot, comme ça, on peut prendre le rugby, ça se lit pas. Il y a basket aussi. Et puis on reconnaît ta plume. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es allé chercher les vrais acteurs de chaque sport. Ah bah oui, moi, mon idée... pour comprendre. C'était d'aller tu voir... analyser les dires d'experts. Ah mais moi, mais même dans le foot, hein, c'est ce que je fais tout le temps. Hein, je pense pas qu'il y ait des gens qui croient que le soir, je vais m'asseoir et puis j'invente les trucs. Quoi. Non, quand je parle, c'est parce que j'ai parlé avec d'autres gens avant. Je dis toujours qu'avant de parler, j'ai écouté d'autres gens. Donc là, en plus, pour des sports que j'aime, mais dont je ne suis pas spécialiste, bah forcément, il fallait que j'aille voir des gens qui m'en parlent. Je voulais organiser un peu un débat. Tu vois, je voulais que si je parle rugby, bah, je fais parler Bernard Laporte. Donc lui, il m'explique qu'est-ce qui ne va pas depuis 10 ans. Et que je vois Pierre Berbizier, qui est un mec qui est rarement d'accord avec Laporte. Donc, tu organises un débat et qu'ils me disent bah, « Moi, je pense que c'est pour ça que ça ne marche pas. L'autre, c'est pour ça que ça ne marche pas. » Et puis, voilà. Et qu'en fait, le débat s'organise à l'intérieur du bouquin. Mais l'idée, c'était qu'à la fin, il n'y ait pas des mecs qui viennent me voir. « Ouais, qu'est-ce que tu connais, toi, en rugby? Pourquoi tu as parlé rugby ?» Et je lui réponds bah, « Du con, quand tu vas voir Laporte, Berbizier et tous les principaux acteurs du rugby, bah, je pense qu'à l'arrivée, j'en tire quelque chose. Quoi, tu vois. J'invente pas. Je vais voir. Et puis, dans tous les sports, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir que des mecs qui sont forts. Tu vois, basket... Quand tu parles une heure avec Ponclard, généralement, après, t'en sais un peu plus que l'heure d'avant, non? Clairement. Ah, je pense qu'il t'apprend deux, trois trucs quand tu parles avec lui. Et Jacques Ponclard a retrouvé demain, bien évidemment, dans Clutch sur Winamax TV. On va vous faire gagner un livre, Autopsie du sport français. On va vous poser une question sur le chat. Vous répondez, vous avez l'habitude, point d'exclamation. Quiz pour remporter ce livre. Quel défenseur de Montpellier fait partie de la liste des 23 joueurs de l'équipe de France de Daniel Riolo? Je donne un indice, il est bolivien. En Russie. Voilà. Il a un nom. Autopsie du sport français aux éditions Hugo Sport, à signer. Et plus, il est dédicacé par Daniel Riolo. Et dans ce livre, Daniel, tu parles du tennis. Ouais. On sait que tu adores. C'est mon autre grand sport. Voilà. Mais d'ailleurs, moi, j'avais une question par rapport à ça, juste avant que tu embrayes. Est-ce que tu penses qu'un after tennis, ce serait possible Tu vois, dans l'idée de parler aux gens. De voir parler un peu plus de tennis. Oui, voilà. Est-ce que cette idée, elle pourrait être possible en France? Bah... Parce que ça n'existe pas. Non. Ah non. Non. C'est un sport dont... Sauf les vendredis sur Winamax TV, bien sûr. Exactement. Sans filet, avec l'excellent Benoît L'excellent Benoît Mélan. Je ne sais pas, tiens, j'aurais bien aimé qu'il soit là pour qu'il me donne son avis sur le tennis. Ouais, il faudra que je vienne dans son émission pour en parler avec lui. J'ai aucune indulgence pour le tennis français. Aucune. Parce qu'on pourrait croire pas le cas de beaucoup. Hein. On pourrait croire que le tennis français va mieux avec la Coupe Davis. On a gagné la Coupe Davis. Absolument. Mais pas. Est-ce que tu penses que c'est le sport le plus en difficulté en ce moment en France? Ouais.
Il fait partie des sports les plus intéressants. Le truc, c'est que ce qui cache un petit peu, c'est qu'on a encore que cette année, ils ont beaucoup reculé. Parce que nos fameux mousquetaires, comme on les avait surnommés, ont tous reculé. Ils sont tous au-delà de la 25e place mondiale maintenant. Et on a Pouille dans le top 10 qui a réussi à se faufiler en faisant des performances dans les Aspro 250 et les 500. Mais c'est vrai qu'il avait fait 2/4 en grand chelem, mais depuis, il s'est un petit peu calmé. C'est notre tête de gondole aujourd'hui. Derrière, dans les générations qui arrivent, on a un trou. Ça va être un petit peu compliqué. Pourquoi c'est le sport le plus en difficulté? Parce que je le mets en rapport avec la puissance de la Fédé. C'est une Fédé qui est très riche. On est un des 4 pays qui a un tournoi du Grand Chelem. C'est peut-être quelque chose qu'on ne sait pas assez, mais c'est extrêmement important dans la vie de ce sport. Le budget de Roland-Garros, de ce tournoi du Grand Chelem, le budget de la Fédé, il est énormissime. Ça donne beaucoup de moyens à la formation, au club et donc aux joueurs. Pendant très longtemps, ce qui a été satisfaisant pour le tennis français, c'est de dire on place beaucoup de champions dans les 50, on en a beaucoup dans les 100, et même à un moment, on en a eu même dans les 20, nos fameux mousquetaires. Ce qui pouvait être mis en face de ce bilan, c'est on va en décrocher un grand chelem à un moment ou pas quand même. On est donc depuis 83 Noah, et avant, tu en as deux autres juste au sortir de la guerre. 46-47. Ça, c'est pas normal. Tous les pays ont eu un numéro 1 mondial, pas nous. Même pour une semaine, tu peux être numéro 1 mondial. Même pour une semaine. Putain, mais au moins une fois, ils vont en avoir un. Non, on n'a pas eu. Noah a été 3e mondial, c'est le max. Il n'est pas resté longtemps à cette position, mais il a été. Pour le reste, on n'en a pas eu. Je sais pas, au moins une fois, un mec qui carbure à un moment. Et ça, c'est probablement parce que... soit on n'a pas misé sur l'élite, soit pendant que les autres travaillaient plus, on travaillait moins, soit parce qu'on a éduqué les tennismans dans une forme de confort qui était de dire... Et c'est ce que la plupart ont fait sans réellement se cacher. Et même le confort médiatique. Au-delà des... Ça, je vais y venir après, si tu veux bien. Sans réellement se cacher, je pense que tous ceux qui ont attendu que Gasquet gagne un grand chelem à un moment parce qu'il avait des énormes capacités... soit était naïf, soit ne savait pas qu'il n'en avait pas envie, qu'en tout cas, il n'était pas prêt à faire les efforts pour le faire. Et le tennis, le problème, c'est qu'il te donne cette liberté. C'est qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas être exigeant à leur place. C'est un sport qui est très particulier, le tennis. C'est le seul sport où le mec est le patron. Il ne doit rien à personne, le tennisman. Il n'a pas d'entraîneur. Enfin, il a un entraîneur, mais l'entraîneur est son salarié. C'est son salarié, c'est sa structure privée. Donc, lui, il peut virer son coach. Il n'a pas un président à qui il doit des performances. Il n'a pas, sauf en Coupe Davis, où tu te dois à la Fédé. Mais il n'a pas un président à qui il doit. Il n'a pas un club. Il n'a pas des supporters. Le tennis, c'est le sport où, à Roland-Garros, si tu as envie d'être pour Nadal plus que pour Gilles Simon, ça arrive. Ça arrive. C'est un sport qui est un peu international. Il n'y a pas réellement de chauvinisme. Oui, pendant Roland, les mecs, le public qui vient va être pour le champion français. Mais déjà, si on se rappelle de ce fameux match au début des années 80 entre Connors et Cojol, au bout d'un moment, le public s'était retourné et quand Cojol menait, en fait, ça les faisait chier que la star Connors se fasse sortir. Ouais. Et ils ont encouragé Connors, ce qui est quand même dingue. Mais le tennis, c'est ça aussi. C'est que on aime les champions un peu on adore Federer, on adore Nadal, on les supporte presque autant que nos joueurs à nous. Sauf si t'as un mec qui est charismatique. Noah, tout le monde était derrière lui. Là, les nôtres, ils ne sont pas réellement charismatiques. Et puis, ils ne donnent pas, ils sont un peu coupés du monde. Tu ne vas pas les voir en interview, dans des émissions, comme ça. Ils ne sont pas proches de leur public. Ils font leur vie. Je le raconte d'ailleurs dans le bouquin, un joueur de tennis, c'est une entreprise individuelle. Il a son bilan comptable, combien va me rapporter ce tournoi. Je vais m'inscrire dans ce tournoi parce que j'ai telle garantie pour le disputer. Si je me fais sortir au deuxième tour, je m'en fous un peu. Si je perds pas de points par rapport à l'année dernière, je m'en cague, c'est pas grave, je veux garder mon classement. C'est particulier comme sport. Et si le mec de lui-même ne se dit pas, un mec comme un Nadal, un Federer, un Djoko, un Murray, je vais tout faire pour être un clébard et pour arriver à gagner un grand chelem, pour arriver à gagner des tournois, pour aller le plus haut possible, mais t'as une vie de dingue quand t'es 10e ou 20e mondial. Ouais. T'es nickel. Ouais. Tu roules en grosse bagnole, t'es riche, quoi. T'es à l'aise, et puis t'es à l'aise pour le reste de tes jours.
Donc, c'est un sport où il faut se faire méga violence et personne ne va venir te mettre un coup de fouet pour que tu le fasses. Sauf en Coupe Davis. Et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas du tout indulgent. Parce qu'en plus, en Coupe Davis, on aurait dû tirer profit du fait d'avoir plein de... Enfin, d'avoir une homogénéité de joueurs, plein de mecs, parce que tu pouvais constituer une équipe où tu pouvais au moins gagner 3 points. Mmh. Tu avais un gros doux parce que pendant des années, on a perdu sur des équipes qui n'avaient qu'un seul joueur. Tu as perdu contre la Grande-Bretagne qui n'avait que Murray. Tu as perdu contre la Serbie qui n'avait que Djoko. Tu les as enregistrées, ces défaites terribles. Et cette année, en revanche, ça fait l'inverse dans la campagne de Coupe Davis. Tu as gagné contre des pays qui n'avaient personne. Tu as gagné contre le Japon qui n'avait pas Nishikori, son seul joueur. Qui était seul top 20. Tu as gagné contre la Grande-Bretagne qui n'avait pas Murray. Et tu as terminé contre la Belgique du seul Goffin. Il nous tape pourtant, a fait quand même ses deux points. Mais après, le double où tu as joué Kidam 1 contre Kidam 2, tu as quand même réussi à faire 3-2. Ouf! Ouf! Lucas Pouille, il a quand même Daniel, battu. Promis, voilà. On t'invitera dans Saint-Filet pour en parler, malheureusement. C'est déjà la fin de cette émission. Très bien. On est déjà un peu dépassé, mais promis, l'invitation arrivera. Et on veut te voir. Dites à Benoît qu'il se bouge le cul à inviter, là. Ben voilà, on va lui dire. Parce que lui, je soupçonne d'être un peu plus. Ah oui, tiens, tu parlais des médias. Les médias de tennis. Ils mangent dans la main des joueurs de tennis. Ils leur bouffent dans la main. Ils leur bouffent dans la main. Ils sont potes avec eux sur les tournois. Et je sais, j'ai suivi le circuit pendant un an et demi. Après, tu bois des coups avec eux et tout. Qu'est-ce que tu crois que tu vas aller les critiquer après? C'est sûr. En plus, d'abord, il n'y en a pas beaucoup des médias qui parlent de tennis. Mais de toute façon, ils ne diront jamais rien sur Winamax TV. Ils dépendent vendredi à 17h. Et en plus, ils dépendent d'eux. Parce que si tu dis un truc... pour l'interview après, quoi. On rappelle le livre, on félicite Ici par hasard, qui a gagné le livre de Daniel Riolo aux éditions. Et rendez-vous dans l'after Autopsie après. Du sport français, voilà, le programme. Qu'est-ce qu'on fait dans l'after? Soir exceptionnel, parce qu'il y a une OP. 98, France Brésil. On fait l'after de France Brésil. Tim Dugas qui était à Wall tout à l'heure. Et il y a C2-9-2-I qui te découvre en analyse tennis, il dit que t'es très bon. Voilà. Ça, c'est pour le petit compliment de tout faire. L'after et puis le RMC Poker Show, les dimanches. Ah, bah évidemment. Abdoulaye, on se retrouve au bar. Et là, on va parler PlayStation et FIFA. Mets-toi un peu là. Merci de nous avoir suivis sur Winup en live. Merci beaucoup, Daniel, d'être venu. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Bonne continuation, Wina Télé. Et à tout de suite dans 5 minutes au bar avec Abdoulaye Sarr, le prof. À tout de suite.